aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang éclut avant de Sion. Fête nationale particulière cette année. Le public est réduit et les cérémonies sont plus intimistes, comme Philippsbourg, commune du pays de Beach, qui a invité spécialement pour l'occasion la députée Nicole Triss, ainsi que les maires des communes voisines. Une petite cérémonie pour commémorer une grande page de l'histoire, mais pas seulement. Le particularisme de cette année, bien sûr, c'était aussi de dédier une grande partie de cette cérémonie du 14 juillet à la solidarité, cette solidarité qui est née pendant la crise. Et j'ai formulé le vœu tout à l'heure que cette solidarité trouve les ressources pour perdurer au-delà de demain et d'après-demain, pour que nous puissions la pérenniser. Elle était dédiée aussi, cette cérémonie, aux remerciements et à la gratitude que nous exprimons à l'égard du personnel soignant et, je dirais, de la communauté des soignants et des aidants ici sur le territoire. La 11e compagnie du CEFIM, le centre de formation initiale des militaires du rang de Beach, l'unité opérationnelle des sapeurs-pompiers de Philippsbourg-Berenthal, ainsi que la section des anciens combattants de Philippsbourg-Berenthal, tous étaient au rendez-vous pour rendre hommage aux combattants morts pour la France. Cette cérémonie salue le courage des soldats français, mais cette année, elle salue également l'engagement du personnel soignant et celui de toutes les autres professions qui ont œuvré pour la nation durant la crise sanitaire.